Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous le savez, nous adorons véritablement nous poser de très nombreuses questions sur le fonctionnement et la profondeur exacte de l'univers créé par J.K. Rowling. Certaines thématiques abordées au travers de ses œuvres et d'ailleurs au-delà de Harry Potter représentent véritablement des champs d'investigation absolument passionnants d'un point de vue littéraire, d'un point de vue historique, d'un point de vue culturel philosophique et même parfois théologique. Nous avions déjà pu vous faire une vidéo notamment sur la place de la religion dans Harry Potter qui était une vidéo assez généraliste mais qui nous avait permis, on va dire, de montrer l'importance de l'influence chrétienne sur l'œuvre. Rappelons que J.K. Rowling est une chrétienne pratiquante et qu'elle assume totalement d'avoir inscrit de très nombreux parallèles dans son œuvre avec sa foi. J.K. Rowling croit en la vie après la mort, même si elle avoue parfois avoir des doutes, ce qui est normal. Comme le disait le souverain pontife, sa sainteté le pape François, une bonne foi est une foi. Qui doute On sait que J.K. Rowling n'est pas alignée à 100% sur la doctrine de l'Église, qui le serait d'ailleurs sans tomber dans le dogme. Cependant, elle a toujours assumé que Harry Potter avait été influencé par ses choix et par sa pratique spirituelle et religieuse. La mort est un sujet qui est très largement abordé tout au long des sept années d'aventure de Harry Potter. Le moins que l'on puisse dire, c'est que J.K. Rowling a analysé à peu près toutes les sortes de morts, mais comme nous sommes même dans la période de l'avant et que nous cheminons gentiment vers la sainte nuit de Noël nous avons voulu nous intéresser à la question de ce qu'il a bien après la mort, surtout pour ce qui concerne notamment la question de la résurrection, qui certes aurait été peut-être plus à propos au moment de Pâques, mais on avait très envie de vous sortir cette vidéo. La question de la vie après la mort est probablement le plus grand mystère de toute l'humanité, mystère auquel la religion chrétienne a apporté une réponse en laquelle on est en droit de croire ou de ne pas croire. La résurrection du Christ... Euh, depuis 2000 ans, était une source d'inspiration permanente pour la littérature. Ce thème a été traité dans de très nombreux ouvrages et il était très peu probable que J.K. Rowling, compte tenu de sa foi et de son histoire personnelle, fasse le choix de ne pas aborder cette question. Nous avions également déjà abordé la question de l'immortalité dans Harry Potter, dans une vieille vidéo, sans pour autant arriver véritablement à prouver son existence, sauf à recourir à des artifices généralement maléfiques, comme les Horcruxes, mais qui revient finalement à nier toute part d'humanité de la personne et conduit donc de facto vers une existence, quoi qu'il arrive, maudite. Alors, vous nous direz que immortalité et résurrection sont au final deux thématiques qui se rejoignent. En réalité, à notre sens, ce n'est pas tout à fait le cas. Elles sont complémentaires, mais elles ne se recoupent en fait que très, très, très rarement, et en tout cas très peu dans la philosophie judéo-chrétienne qui a servi d'inspiration à J.K. Alors, sans rentrer dans des considérations, on va dire, théologiques complexes, nous avons voulu laisser en fait la question de l'immortalité de côté pour se tourner uniquement vers la question de la résurrection. La résurrection, elle a souvent été abordée dans Harry Potter. Cela commence même d'ailleurs dès Harry Potter à l'école des sorciers. La résurrection apparaît alors comme étant un rêve, un désir exprimé par Harry Potter par l'intermédiaire du miroir du Rizel. Évidemment, cette résurrection n'est pas aboutie, mais elle existe et réside dans l'espérance qui est celle de voir Harry Potter réuni avec l'ensemble de sa famille. Un vieux chance coûte, mais en avant que l'espérance est un trésor, et il y a une certaine beauté philosophique dans l'espérance de Harry Potter de voir, au final, à un moment ou à un autre de sa vie, ses parents à ses côtés. D'autant plus que il faut quand même se rappeler que cet événement survient la nuit de Noël, la nuit de Noël où, en fait, toutes les espérances sont permises. La résurrection, perçue comme étant une espérance, comme étant un ardent désir, est en fait quelque chose qui déjà réside en soi au cœur du message chrétien. C'est l'une des références peut-être les plus évidentes à la foi chrétienne de J.K. Rowling, et on va dire aussi peut-être probablement l'une des plus marquantes. Le miroir du Rizel va d'ailleurs servir à J.K. Rowling pour aborder une autre question qui est évidemment celle de l'immortalité. Le miroir du Rized abrite, on le sait, la pierre philosophale qui, si elle ne permet pas de ressusciter, permet de prolonger la vie de celui qui l'utilise, et ce qu'il y a de très beau d'ailleurs, c'est que la résurrection demeure une espérance, mais que les moyens d'allonger sa vie sont finalement accessibles euh, comme si en réalité en fait ce moyen presque humain, matériel dirons nous, avait au final moins d'importance là où la résurrection demeure presque inaccessible dès le premier roman, la résurrection est donc perçue comme quelque chose dans laquelle on souhaite croire mais qui demeure inaccessible. Même la pierre philosophale ne peut pas lutter contre la dimension presque irréelle, disons-le même miraculeuse de la résurrection. La pierre philosophale est d'ailleurs perçue comme étant en réalité en fait un danger. Même si elle a permis à Nicolas Flamel de vivre depuis plus de 600 ans, elle représente en fait un supplétif qui permet de repousser la mort mais certainement pas d'y échapper. La question de la résurrection dans l'école des sorciers pourrait également se poser au travers du parasite en fait qui est devenu Lord Voldemort si on s'en tenait uniquement à l'idée même que Voldemort serait mort lors des événements survenus à Godric Solo dix ans plus tôt. Mais en réalité on sait parfaitement que ce n'était pas le cas. Voldemort était condamné à une existence maudite, mais comme beaucoup de sorciers pensaient euh, ou voulaient croire tout du moins en la mort de Voldemort, il apparaît donc presque certain et même presque même tout à fait évident, que beaucoup de sorciers auraient pu craindre qu'ils ne soient en effet revenus. Et dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, on assiste là aussi à un phénomène autour du personnage de Lord Voldemort, que certains pourraient peut-être être, être amenés à penser qu'il s'agit là aussi quelque part d'une forme de résurrection. En réalité, vous le savez, il n'en est rien, mais il faut se remettre entre guillemets dans le contexte de l'époque. Harry Potter sait désormais que le Seigneur des Ténèbres n'est pas mort lors de la tragique nuit d'Halloween où ses parents sont décédés. Il sait aussi que ce dernier est condamné à une existence misérable de parasite privé de son corps. C'est donc avec surprise que Harry va découvrir dans la chambre des secrets que ce qu'il pensait savoir comme étant acquis pouvait faire l'objet d'une certaine remise en question et d'une certaine remise en cause. Évidemment, il ne pouvait absolument pas être au courant du fonctionnement des Orcrux, ni même de leur existence. Le fait est que notre sorcier préféré se trouve dans la chambre des secrets face à un ennemi qui semble se renforcer au détriment de la santé de Ginny Weasley. A posteriori, on comprend très vite qu'en réalité, le fonctionnement du journal n'avait absolument rien à voir avec une résurrection. Et J.K. Rowling, d'ailleurs, sans véritablement expliquer l'exacte nature de l'objet, Qu'est le journal ayant appartenu à Tom G. prend quand même le soin déjà de l'entourer d'une dimension extrêmement maléfique, puisque le journal aspire littéralement les forces et la santé de Ginny Weasley. Et donc là où le mal réside, en réalité, il ne peut absolument pas y avoir de résurrection. C'est d'ailleurs une constante de l'œuvre, puisqu'en réalité, Rowling revoit. Euh, finalement euh, dans la question de la résurrection et ne voit finalement la question de la résurrection qu'à travers un prisme très particulier qui est celui en fait d'une force bénéfique et non pas maléfique. Tom Gellusor, on le sait, échouera une nouvelle fois à réussir on va dire son ascension vers le retour à une vie physique plus normale. Dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, la question de la mort est absolument omniprésente par l'intermédiaire des détraqueurs. Euh, dont les maléfices vont quand même jusqu'à aspirer l'âme de la personne euh, qui est soumise à ce supplice. La résurrection apparaît cependant dans le roman sous une forme assez inattendue, celle en fait de la réhabilitation de Sirius Black, ou tout du moins d'une cer certaine forme de retour à la liberté. C'est particulièrement flagrant quand tout le monde rentre de la cabane hurlante à la fin de l'année scolaire cyrus black pense à ce moment-là qu'il sera possible de prouver son innocence en remettant peter pettigrew aux autorités et pourra donc revenir à une vie disons le normale alors on peut imaginer que le simple fait d'échapper à ascaban est en soi une forme de résurrection dans la mesure où ce lieu est un lieu maléfique où seule la mort semble avoir droit de citer comme euh, l'est d'ailleurs euh, le désespoir mais finalement la vraie résurrection pour cyrus black réside dans une liberté totale car il serait débarrassé de toute la culpabilité qui pèse sur lui. C'est tout du moins ce en quoi il veut croire et ce qu'il veut espérer encore une fois on voit cette dimension de l'espérance qui est quelque chose d'extraordinairement importante. En réalité, rien de cela n'aura lieu. Il faudra attendre sa mort pour qu'il retrouve enfin sa liberté, mais d'une manière malheureusement bien différente de tout ce qui aurait pu être au cœur de ses espérances et de sa volonté. On ne peut cependant pas nier la dimension très fortement allégorique de ce passage où Sirius Black, euh, on va dire, fait face et semble proche de revenir à la vie, même si en réalité il se retrouvera dans une situation bien loin de cette espérance. Cependant, on ne peut pas s'arrêter en si bon chemin pour ce qui concerne les événements du prisonnier d'Azkaban, dans la mesure où on sait bien que Sirius Black va connaître une forme de résurrection, mais à cause ou grâce en fait à la manipulation du temps. Alors, vous nous direz qu'on voit dans l'Enfant Maudit les ravages que peuvent engendrer effectivement la modification d'actes passés par, on va dire, l'intermédiaire du temps, et c'est pour le coup tout à fait pertinent. Mais la grosse différence entre les événements de Harry Potter et l'Enfant Maudit et les événements de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, c'est que les voyages dans le temps ne se passent pas sur des décennies, car le retourneur utilisé par Hermione Granger est un retourneur de temps horaire. Les événements qui se sont produits dans le troisième roman, comme la mort par exemple de Buck, ou encore le baiser du détraqueur subi par Cyrus Black, n'ont pas encore eu de conséquences, on va dire, suffisamment importantes sur la ligne temporelle, dans le sens où en fait, elle n'a pas eu d'impact au-delà des deux événements dont nous venons de parler. Alors, la question sous-jacente, elle est très épineuse. Peut-on appliquer le sujet de la résurrection au passage dans le temps le voyage temporel permet-il en réalité de ressusciter une personne décédée et donc d'acquérir une sorte, on va dire, de pouvoir naturellement divin par son essence même Alors, pour notre part, nous avons un peu de mal quand même à associer, on va le dire, les deux notions. Retourner dans le temps ne veut pas dire sémantiquement euh, que l'on euh, va dire retourne pour autant le temps en modifiant des événements qui ont eu on va dire la capacité de bouleverser le développement et la vie de nombreuses personnes l'usage d'un retourneur de temps horaire demeure donc quelque chose de très limité et ne rentre pas dans une logique de bouleversement en cascade le retourneur de temps permet de corriger finalement le temps de modifier des événements et la manière dont ils se sont agencés il n'a pas pour but directement d'œuvrer à la résurrection d'autant qu'en réalité le but n'est pas de ramener quelqu'un à la vie mais bien d'éviter que le drame en fait ne survienne et donc les deux logiques un autre sens, sont assez différentes. Et c'est d'ailleurs peut-être l'erreur d'analyse qui sera commise plus de 20 années plus tard par Amos Diggory de prêter, on va dire, cette bénédiction qui est la résurrection à un simple appareil. Aussi magique d'ailleurs soit-il. Dans Harry Potter et la Coupe de Feu, on bascule un peu dans une autre dimension. Cette question, euh, on va dire, cette quatrième aventure qui est développée dans le roman de J. .K. Rowling, et peut-être celle qui porte en fait une dimension horrifique, peut-être même la plus horrifique, euh, et qui est même franchement particulièrement traumatisante. Dans un environnement aussi maléfique, il apparaît assez difficile évidemment d'aborder la question de la résurrection. Cependant, il convient quand même de se poser quelques petites questions sur ce qu'il se déroule autour du personnage de Lord Voldemort. On le sait, et on le redit, Voldemort n'a pas été tué lors des événements de Goldric Solo, et n'est pas non plus devenu un fantôme comme c'est souvent évoqué. Encore une fois, il est bel et bien vivant, mais uniquement grâce aux Horcruxes. Autant dire immédiatement les choses Voldemort est le mal absolu, la définition même d'ailleurs de l'Antéchrist. Il a emprunté des chemins et utilisé une magie tellement noire et tellement sombre qui... en fait, que rien ne semble finalement même pouvoir le distinguer du diable lui-même, pour être assez honnête. On entend souvent, à propos des événements de la Coupe de Feu, que Voldemort serait ressuscité d'entre les morts. Alors, outre l'expression hasardeuse euh, qui est, euh, on va dire, un peu éloignée des, des événements, on sait que ce qu'il va se passer au cimetière de Little Angleton, et que ces événements du cimetière de Little Angleton ne peuvent pas plus être éloignés en réalité de la réalité. Dans la résurrection, on vous l'a déjà dit, la dimension divine ne peut absolument pas être mise de côté, elle est nécessairement impliquée, et elle est même nécessaire. De plus, on ne peut ressusciter qu'après avoir connu et rencontré la mort par soi-même, ce qui n'est absolument pas le cas de vol de mort dont l'âme est plus que noirceur et maléfisme. La résurrection ne réside pas non plus dans une dimension matérielle, mais bien dans une dimension spirituelle, on l'a vu avec le retourneur de temps auparavant. Pour bon, le retour, on va dire, du Seigneur des Ténèbres, nous sommes tout à fait en dehors de toute spiritualité, puisque ce dernier ne répond en fait qu'à un processus de magie noire très avancé, nécessitant des éléments matériels concourant, on va dire, à la préparation de ce que l'on pourrait définir comme étant une potion de résurrection. Plongé en pleine magie noire, on a beaucoup de mal à imaginer une quelconque part en fait de résurrection. Nous n'y voyons pour notre part uniquement que le fait... En fait, Voldemort va réussir à récupérer un corps bien à lui et l'entier usage de ses pouvoirs et de sa force, mais on pourrait davantage en fait parler, à notre sens, de régénération plutôt en fait que de résurrection. Le procédé, euh, en tout cas on va dire les procédés qui ont mené Lord Voldemort vers ce retour à un corps en pleine possession de ses moyens, est un procédé absolument diabolique, dans la mesure où on profane les tombes, on arrache la chair d'un serviteur et le son d'une victime innocente. Autant dire que l'on va quand même très loin dans l'idée même de la magie noire et à plusieurs années-lumière de tout ce qui pourrait apparaître comme se rapprochant de la résurrection. Au-delà de la question même du personnage de Lord Voldemort, un autre aspect de cette quatrième histoire mérite que l'on s'y attarde quand même quelque peu. Quand Harry Potter va défier Lord Voldemort, ou tout du moins va tenter de lui tenir tête dans le cimetière de Little Angleton, on sait que les deux baguettes vont produire le phénomène dit du priori incantatum. Les deux plumes de phénix venant du même, les baguettes, on va dire, refusent littéralement de s'affronter. On sait qu'à ce moment-là, la baguette du Seigneur des Ténèbres va faire apparaître les dernières victimes, euh, on va dire, assassinées par l'intermédiaire de sa propre baguette. Nous avons notamment pu revoir euh, Cédric, le gardien du manoir des Gilusor, puis enfin Lily et James Potter. Cet épisode est marquant. Car en fait, un vrai dialogue va s'établir entre Harry Potter et entre les ombres de ces défunts qui ne sont ni des personnes vivantes, ni réellement en fait des fantômes. La nature exacte d'ailleurs demeure cependant assez inconnue à ce stade et ne peut absolument pas être définie comme se rapprochant d'une manière ou d'une autre d'une résurrection. Le terme d'ombre employé lors de la discussion qui va advenir entre Albus Dumbledore et Harry Potter est d'ailleurs au demeurant extrêmement parlante. Il n'est pas anodin. Dumbledore parle littéralement d'un écho à l'envers, précisant qu'aucun sortilège ne peut faire vivre les morts. On notera d'ailleurs que Dumbledore ne donne pas un avis définitif sur la question de la résurrection, mais affirme bel et bien qu'aucun sortilège ne peut véritablement ramener un mort à la vie. On le sait, Dumbledore est une source encyclopédique sur le monde magique et sur la magie. Mais c'est aussi un homme plein de sagesse qui a fait face à plus de morts dans sa vie que nécessaire. Son père, sa mère, sa sœur Ariana, son neveu Aurégus, autant dire qu'il a eu largement le temps d'étudier le sujet et de se poser de très nombreuses questions sur les possibilités. Est-ce que Dumbledore croit en la résurrection C'est assez difficile à dire. En tout cas, rien ne démontre qu'il n'y avait pas, on va dire, de croyance ou qu'il remet en cause cette idée même. La figure presque déifiée par moments dans l'œuvre de Albus Dumbledore fait autorité en la matière et nous allons notamment le découvrir un peu plus tard dans le roman. Le fait est qu'Albus Dumbledore affirme quand même bel et bien que dans le monde magique, la résurrection ne peut absolument pas être obtenue par l'intermédiaire d'un quelconque sortilège. Euh, on va dire que cette porte, désormais fermée, laisse quand même quelques autres petites portes ouvertes. Et notamment dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, cette thématique de la résurrection... Euh, même si elle est assez peu présente puisqu'elle laisse, on va dire, davantage de place, malheureusement, à la brutale mort de Sirius Black, on peut quand même retrouver quelques petits trucs. Alors, on pourrait notamment établir un parallèle que nous trouvons intéressant et qui réside dans la manière en fait dont Sirius Black entretient et fait revivre tant, euh, on va dire, l'histoire de l'Ordre du Phénix que les souvenirs de Lily et James Potter durant la première guerre du monde des sorciers. On va dire que c'est un élément qu'il faut retenir. On pourrait voir, en fait, dans le souvenir des défunts, une forme de résurrection. Il y a quelque chose en tout cas de cet ordre, euh, qui demeure certes difficile à expliquer totalement et facilement, mais se souvenir et faire vivre des souvenirs, c'est aussi une manière pour beaucoup de perpétrer et de prolonger en fait la vie d'une personne disparue. Si cette dimension est une manière pour les vivants de ressusciter symboliquement les morts, c'est aussi une manière de se rassurer pour ne pas subir l'immense mystère. Que nous rencontrons avec le voile de la mort par exemple dans la salle de l'arcade du département des mystères. Ce voile qui emporte Sirius Black vers d'autres cieux est symboliquement passionnant à étudier car il est on va dire présenté comme une question. On peut même dire d'ailleurs que cette arche est une question. Une question à laquelle il faudra probablement que nous nous y intéressions. La nature exacte de cet édifice ne semble pas évidente mais il apparaît en tout cas certain qu'elle symbolise le mystère auxquels nous devons tous faire face à un moment ou à un autre. Alors, la réponse, évidemment, réside souvent dans les croyances. Pour d'autres, peut-être moins chanceux, ce sont finalement les souvenirs qui constituent une réponse à ce qui nous dépasse et dans lesquels nous faisons souvent le choix d'ailleurs de nous réfugier. Nous pourrions considérer ensuite un autre événement dans cette cinquième aventure de Harry Potter. C'est la discussion... Qui va euh, s'opérer entre Harry et Nick, quasi sans tête, et qui va, euh, on va dire, euh, revenir après la mort de Sirius Black euh, comme étant, on va dire, un des points centraux du roman. Cette discussion est fondamentale, tant pour Harry Potter d'ailleurs que pour l'œuvre. Il est extrêmement dommage que l'adaptation cinématographique ait fait totalement l'impasse là-dessus. On espère que l'adaptation en série télévisée. Sera plus précise quand même sur ce point. Parler avec un fantôme de la mort serait pris dans le monde des moldus pour une hérésie ou à minima comme étant symptomatique d'une problématique assez préoccupante de santé mentale. Pour ce qui concerne les sorciers, c'est quand même quelque chose de plus habituel. Mais pour autant, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait anodin. Cela arrive quand des élèves perdent des proches, qu'on d'ailleurs Nick quasi sans tête à un Harry Potter dans l'espérance là aussi d'un retour de Sirius Black. Le fantôme de Gryffondor va très rapidement doucher, on va dire, les espoirs de Harry Potter en lui précisant l'exacte nature, en fait, de ce qu'est un fantôme et qui est bien loin de ce que l'on pourrait, euh, on va dire, penser être une forme de résurrection. Un fantôme n'est jamais défini comme étant autre chose qu'une forme affaiblie d'un sorcier. Il précise d'ailleurs, avec beaucoup de regret et beaucoup de mélancolie, le fait qu'il s'agit d'un choix à effectuer. Mais finalement, euh, en s'écartant du chemin, et en renonçant en fait à continuer au-delà, on se condamne finalement à être nulle part pour l'éternité. Nick, il est condamné à sa forme fantomatique, car il a peur d'aller au-delà. C'est un choix qui condamne, et qui est donc, on va dire, l'antithèse même de ce qu'est la résurrection. Harry Potter mettra beaucoup de temps à digérer d'ailleurs cette information, et à l'assimiler, c'est bien logique, mais... On insiste sur la dimension quand même fondamentale de ce passage dans la vie philosophique ou peut-être spirituelle de notre jeune sorcier. On comprendra notamment un peu plus tard son importance. Dans Harry Potter et le prince de Sang-mêlé, la résurrection, on va dire, brille à nouveau par son absence, ce qui la rend d'ailleurs d'autant plus lumineuse dans cet environnement. Les événements de Harry Potter et le Prince de Saint-Mêlé nous plongent dans une dimension tout à fait horrifique, vous le savez, du monde des sorciers. Il y a évidemment la dimension primordiale de la réalité des Horcruxes que nous découvrons comme étant la méthode pour Voldemort d'échapper à la mort. Alors, autant dire directement qu'il n'y a absolument rien de comparable avec la résurrection, encore une fois, puisqu'il s'agit d'une pratique absolument terrifiante de la magie qui consiste, pour l'auteur, à être dans la complète et totale négation de, son, de sa propre humanité, en fait. Voldemort pousse même le bouchon à aller jusqu'à ensorceler les cadavres pour en faire un objet morbide de ses basses besognes. Si le corps, lui, est effectivement animé, l'esprit ne l'est pas. Et cette profanation absolument monstrueuse de cadavres d'innocents moldus est elle aussi, mais tellement éloignée de la réalité de ce qu'est la résurrection que, enfin, on ne peut pas imaginer qu'un homme pareil puisse revenir à la vie. On ne s'attardera pas davantage d'ailleurs sur la nature des Inferi dans la mesure où nous avons déjà évoqué ce sujet dans une précédente vidéo. Dans cet océan de terreur, de peur et d'actes monstrueux, le moins que l'on puisse dire c'est que la résurrection est quelque chose de totalement absent et c'est tout à fait logique et imaginable tant elle apparaît complètement en contraste en fait avec cet univers totalement maléfique. C'est finalement dans Harry Potter et les reliques de la mort que la résurrection va pointer à nouveau le bout de son nez car... Elle est au final l'espérance. Mais là aussi, j .K. Rowling va maintenir que cette dernière ne peut s'acquérir facilement et qu'elle demande autre chose qu'une simple volonté d'y accéder. La résurrection ne peut pas s'acquérir ou se trouver facilement. Les reliques de la mort nous emmènent à la recherche aussi bien des orcrux que des trois autres reliques, qui sont celles des reliques de la mort. C'est dans ce contexte que l'on découvre d'ailleurs le fameux conte des trois frères. Alors, sans revenir sur le contenu exact de ce conte que nous connaissons tous, nous savons qu'il met en scène trois reliques confiées par la mort à trois frères la baguette de suro, la cape d'invisibilité et enfin la pierre de résurrection. Vous vous en doutez, c'est celle qui nous intéresse le plus dans cette vidéo et sur laquelle nous allons nous attarder un petit peu plus car elle est finalement très révélatrice de la pensée de J.K. Rowling. Et sur l'attachement notamment que cette dernière porte à la question même de la résurrection. La pierre de résurrection, on le sait, est confiée au second frère Pévrel par la mort elle-même, suite au vœu qu'il a formulé un peu plus tôt. La pierre de résurrection est normalement censée permettre à son porteur de ramener à la vie la femme qu'il a tant aimée avant qu'elle ne disparaisse tragiquement. Le deuil est, on le sait, une épreuve absolument terrible à traverser et à accepter. Si tant est d'ailleurs qu'on puisse accepter une telle épreuve en réalité. En créant cette pierre, censée ramener à la vie un être aimé, la mort sait pertinemment qu'elle ne donnera pas satisfaction à sa proie. La mort ne peut pas ramener à la vie. En réalité, ce n'est pas de sa compétence. Le seul artifice qu'elle sait réaliser, c'est de ramener à la vie une très pâle copie de l'être aimé. Une sorte de souvenir, mais qui fait en réalité comprendre au vivant que ce qu'il a perdu ne peut être en fait retrouvé. Et c'est ainsi que le second frère se donnera la mort pour rejoindre en fait euh, sa dulcinée accomplissant ainsi la destinée prévue initialement pour lui par la mort. On ne connaît pas l'exacte trajectoire de la pierre de résurrection. On sait juste qu'elle sera récupérée par la branche anglaise des Gunt à un moment ou à un autre et que Voldemort la récupérera. Il est peu probable que Tom Gelusor ait tenté, on va dire, de lui faire révéler un pouvoir qui ne l'intéressait absolument pas. Voldemort était si omnubilé par la mort qu'il l'est absolument impensable de le voir euh, se projeter sur le fait de ramener qui que ce soit euh, vers lui, euh, que ce soit sa mère ou que ce soit son père qu'il a toujours de toute façon détesté. Voldemort ira même jusqu'à profaner cette relique en en faisant, euh, on va dire, un orcrux et en y faisant cohabiter une part de son âme. On notera d'ailleurs qu'une fois l'Horcrux détruit, la pierre de résurrection retrouvera sa fonction initiale. On ignore d'ailleurs si Dumbledore en aura fait l'usage. On sait que Dumbledore a toujours dû faire face à ses regrets et à sa famille disparue dans des conditions absolument atroces. Son père est mort à Scaban pour protéger le secret de sa fille, sa mère est morte lors d'une crise incontrôlable d'Ariana, Ariana est morte dans des circonstances dramatiques et son neveu Aurelius n'a pas pu être sauvé par le même mal qui dévorait sa sœur. Bref, on ne peut absolument pas savoir si Dumbledore a utilisé ou non la pierre de résurrection. Alors, qu'il se savait en fait, aux portes de sa propre fin de vie. On va dire que la sagesse et la connaissance intime de l'histoire des reliques de la mort l'auront probablement poussé à renoncer à cette idée qui n'aurait probablement réussi en fait qu'à renforcer sa souffrance, sa tristesse et sa douleur. Quand Dumbledore choisit de dissimuler la pierre de résurrection dans le vif d'or pour la transmettre à Harry Potter, il sait que ce dernier en aura, lui, probablement besoin au moment peut-être le plus critique de sa vie. Dumbledore savait pertinemment ce qui attendait Harry Potter. Il savait aussi que la pierre de résurrection ne pourrait l'aider qu'à accomplir son destin. Et c'est sur ce destin que nous allons maintenant nous pencher, car c'était en fait là où nous allons toucher du doigt notre sujet du jour. La situation de Harry Potter lors de la bataille de Poudlard l'amène droit vers le sacrifice ultime. Porteur d'une partie de l'âme de Lord Voldemort, il semblait nécessaire de se sacrifier pour offrir, on va dire, une ultime chance à ses amis de vaincre le Seigneur des Ténèbres. La notion même de sacrifice est un sujet qui pourrait faire aussi l'objet d'ailleurs d'une vidéo dédiée tant il est présent tout au cœur de la saga. Mais peu de sacrifices ont eu autant de sens dans l'ensemble de l'œuvre de J.K. Rowling. J.K. Rowling on a même fait d'ailleurs le point d'orgue en réalité du septième roman, sans que cela passe forcément toujours, euh, on va dire, sans que cela soit toujours, on va dire, visible. Lorsque Harry Potter se rend dans la forêt interdite lors de la trêve, on va dire, proposée par Lord Voldemort, on ne peut pas nier la dimension totalement biblique de ce moment, euh, qui est d'ailleurs relativement bien mis en scène dans l'adaptation cinématographique de Harry Potter. Depuis cette année, et encore plus durant la bataille de Poudlard, Harry Potter a vécu en fait sa passion. Ses proches ont tous été mis, plus que de raison, en danger, beaucoup sont morts au risque, euh, on va dire, euh, de le devenir. Bien qu'il avait compris, on va dire inconsciemment, qu'il ne pourrait pas sortir vivant de cette histoire, l'ultime révélation de Severus Rogue aura scellé au final sa décision. Et donc, au final, comme le Christ s'est sacrifié pour la multitude, Harry Potter a fait un choix similaire. Son sacrifice était nécessaire pour permettre à la multitude de vivre et de trouver enfin la paix. L'acceptation de sa propre mort n'est pas quelque chose de facile à assumer, et encore plus pour un jeune garçon de 17 ans. Il fallait beaucoup de courage et il fallait une immense abnégation. Dans les pas qui le mènent jusqu'à la forêt interdite, Harry se résout donc à abandonner sa vie. À l'image encore une fois du Christ Harry Potter va vivre son chemin de croix. Il va sentir ses forces l'abandonner. Il va souffrir et ne pas, euh, on va dire, crier de laisser Ginny et ses proches derrière. Il va voir sa vie défiler devant ses yeux alors qu'il porte en lui sa malédiction. La part de Voldemort qu'il porte et dont il a maintenant connaissance est une véritable croix qu'il porte en fait depuis déjà bien trop longtemps. Alors que ses forces physiques et spirituelles s'amenuisent petit à petit, il va prendre possession de la pierre de résurrection et faire venir à ses côtés ses parents, Sirius Black et Remus Lupin. Ses proches vont lui donner le supplément de courage dont il avait besoin. Euh, il demande d'ailleurs même au fantôme de Lily Potter de rester à ses côtés. On ne peut qu'y voir là aussi un parallèle avec la présence aimante et bienveillante de la Bienheureuse Vierge Marie présente sur le Golgotha pour souffrir la passion de son propre fils. Évidemment, la confrontation entre Harry Potter et Voldemort va conduire aux événements que l'on connaît et qui vont se dérouler dans cette version assez étrange de la Gare de King's Cross qui symbolise en réalité l'état de transition entre le monde des vivants et celui de la mort. La discussion qui s'engage entre Harry et Dumbledore est absolument fascinante et, comme souvent, passionnante. Sans nous appesantir plus que de raison, on va dire, sur les tenants et les aboutissants de cette discussion, nous allons en retenir ce qui nous concerne en premier lieu, à savoir ce qui va advenir de Harry Potter. En réalité, Harry Potter va être confronté à un choix important celui de continuer le chemin ou celui de repartir dans le monde des vivants. Harry aurait pu faire le choix de finir, on va dire, ce chemin et de retrouver ses parents et les nombreux amis qu'il a perdus. Mais c'est aussi un héros qui va faire le choix de revenir à la vie pour continuer et achever le combat contre Voldemort et ses troupes. Et c'est ici en fait qu'intervient quelque part le vrai miracle de la résurrection, bien qu'étant évidemment très différente de celle du Christ, pour ne pas tomber on va dire dans une dimension qui deviendrait presque blasphématoire. Elle revêt cependant une vision absolument lumineuse. Une fois encore arrive à faire le choix non pas de la facilité mais celui de l'amour. Et comme dans les saintes écritures, la résurrection dans Harry Potter ne peut se faire que en réalité par l'amour. Tous les palliatifs, tous on va dire, les artifices ou les maléfices qui sont euh, voués euh, à, ré... on va dire, à ressusciter quelqu'un sont de toute façon, quoi qu'il arrive, voués à l'échec. Pour revenir à la vie réellement, il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre chemin que celui qui consiste à s'offrir en sacrifice pour faire le choix de l'amour de son prochain. La vraie résurrection s'opère donc à la toute fin du roman. Et Harry Potter tirera, on va dire, de sa force, la capacité à combattre une ultime fois son ennemi de toujours. C'est le combat du bien contre le mal qui est symbolisé, mais pas seulement. C'est aussi la victoire de la vie et la victoire donc de la résurrection sur la mort et sur les ténèbres. Et c'est au final dans la force de la résurrection que se trouve la vraie raison de l'œuvre. Amour et vie sont au cœur de l'œuvre de J. K. Rowling. Raison pour laquelle on trouve absolument d'ailleurs ridicule la défiance que certains gros puscules prétendant être chrétiens avaient vis-à-vis -vis de Harry Potter et qu'ils avaient véritablement critiqué. Parce que le message chrétien est présent dans de très nombreux pans importants de l'histoire proposée par J. K. Rowling qui ne s'en cache d'ailleurs même pas. Et sans faire de prosélytisme, elle réussit à mettre en scène une histoire riche de questionnements et d'enseignements également qui montrent le chemin. Parfois, on se demande d'ailleurs si inconsciemment l'histoire de Harry Potter n'est pas un élément constitutif du dialogue que J.K. Rowling, on va dire du dialogue intime, qu'elle peut entretenir elle-même avec Dieu. Ça reste un mystère, ça reste un questionnement, mais c'est un point quand même à avoir à l'esprit pour bien comprendre le sens qu'elle souhaite donner à son histoire. La résurrection demeure en tous les cas un des mystères haletants de l'ensemble des sept romans de Harry Potter et nous avons pris beaucoup de plaisir à aborder cette thématique que nous avons trouvée particulièrement riche. Maintenant, ça va être à vous, dans les commentaires, de nous dire évidemment ce que vous en pensez et éventuellement de liker si cette, cette vidéo si elle vous a plu. Nous, en tout cas, on voulait vous offrir ce petit moment, euh, on va dire, de, de cheminement vers, euh, vers l'avant euh, en se posant bah, effectivement la question de la symbolique de la résurrection dans Harry Potter. Nous, pour nous, c'était quelque chose qui nous intéressait véritablement de traiter. Et donc, voilà, on est heureux, évidemment, d'avoir pu vous présenter cette vidéo. Donc, c'est tout pour le moment. On espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. On vous laisse donc ici, euh, en vous souhaitant à tous et à toutes de très bonnes fêtes. On va continuer, évidemment, pendant les fêtes à, euh, on va dire, animer cette chaîne, comme d'habitude. Mais euh, voilà, on souhaitait vraiment, absolument, euh, vous faire cette petite vidéo qui, on espère, vous aura plu. Donc, on vous attend dans les commentaires et on se retrouve tout bientôt pour plein de nouvelles informations.